Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un unboxing petit, rapide. C'est des pièces pour finir, Non, pas pour finir parce qu'elle est finie. On va dire, c'est pour avoir des pièces en stock. Il me manquait des pignons pour la demoiselle et quelques petites choses, et ça nous provient donc de notre tout premier partenaire, Sébastien Martel. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau? Alors, on a reçu des petites rondelles anodisées Ultimate rouge qui vont aller bien évidemment avec la voiture. Ça, c'est cool. Ça va être pour pouvoir la finir. Bonjour. Oui, attention, elle est là. Mon Dieu, au secours. Donc voilà, on a les petites rondelles. On a un pignon. Donc en 48 dp, parce que la vidéo qui va sortir, enfin qui est sortie, vous avez dû voir, du nouveau différentiel qu'il y a sur la voiture. Donc il fallait des pignons adapté. Avec ça, on va pouvoir refaire donc toute la voiture. Là, on a encore des trucs, mais qui sait. Yes, le récepteur que vous allez retrouver et que vous... Aïe. Aïe 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 aïe. Oui, j'ai le... j'ai ça qui vient de me tomber sur les doigts de pied, c'est le... Le fer à souder. Ouais, c'est sympa, ouais, ça... oui, un peu, oui. Putain, mais t'es une saloperie, toi. Voilà, ça fait des crasses, tout va bien. Donc... c'est une pourriture. Donc, bah, le récepteur, tout le monde le connaît. Donc, spécifique Sanoa. Rebadgé Sébastien Martel. Sans antenne. Le même que le RX482. Voilà. D'ailleurs, qui fonctionne super bien. Qui équipe toutes mes voitures. Et honnêtement, j'en changerai pas. Parce que pour le prix, quand tu vois ce que ça coûte. Un Sanoa comme ça, bah là quand même c'est avantageux d'avoir un bon récepteur et pour pas cher, donc ça c'est cool. D'ailleurs, je sais même pas si un jour on a fait on a exploré ceci pour vous dire. Alors, récepteur RX4SL est compatible avec les émetteurs Sanoa FH3, FH4T, tels que la M12, M11X, EX, ZES, X, la MT44, la MTS, la MT4, la M12S, la M17, etc. etc. Tension d'utilisation 35K84. Donc voilà, ben ça c'est cool. On peut l'alimenter directement avec 1 et 2S. Donc voilà, si au cas où vous hésitez à acheter un récepteur, les mecs, moi je peux que vous conseiller celui-ci. Il équipe toutes mes voitures, étant donné que je suis avec la MT44. Jamais eu de soucis, c'est un super récepteur. Elle a déjà son récepteur. Je peux te le prouver, hein, d'ailleurs. Je vais te le prouver, même. Parce que je l'ai récupéré, je l'ai mis sur une autre, donc... Hop, on lui enlève la robe. Tu vois, il est là. On s'en sert vraiment sur toutes les voitures. C'est super.
Ah, elle est trop belle cette petite roche. Donc tout le montage a été fait. Le moteur. Le Vulcan de chez Team Corali qui nous provient donc de chez Egua Racing. On a le Performa HMX. On a le servo SRT qui nous provient aussi de chez Egua Racing. Lipo, on n'en parle pas. Non mais c'est quoi? C'est du Redline Genesis. Ça va plutôt pas mal. Franchement, pas mal comme lipo. Oui, Walou. On va pouvoir mettre nos petites rondelles. J'attends les vis fraisées. On va pouvoir en mettre là, un peu de partout. Ça va aller avec le reste de la voiture, tu vois, parce qu'elle a les paliers qui sont disés rouges. On a le moteur. On a le vario. Je voulais sortir le cerveau, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Pour le moment, Sébastien Martel fait que du normal et j'aurais aimé du low profile, mais bon. Donc, on a mis le SRT qui est très beau d'ailleurs. Il est un autre disait or, lui, sur les extrémités. Un petit rouge aurait été sympa quand même. Hein. Mais bon, pas tout d'abord, il faut arrêter de se plaindre quand même. Voilà, une fois fini. Elle a à l'arrière son nouveau différentiel. Oui, c'est plus un diff à bille, c'est un diff à pignon qui nous provient donc de chez Phoenix Racing. Vraiment pas mal. J'aime bien le concept. On voit un peu de graisse dessus. Ça, c'est l'un des petits soucis que j'ai pu constater. En fait, c'est quand la voiture est à l'arrêt que tu ne t'en sers plus, bah tu as l'huile qui a tendance un petit peu à suinter ici sur les côtés. Tu le vois pas, tu fais rouler la voiture et tu lui en mets sur le pignon. En soi, je pense pas que ce soit réellement gênant, mais bon, c'est. Voilà. C'est un peu con parce que là il y a toutes les merdes qui vont s'accrocher à l'intérieur et c'est pas cool. Mais sinon, franchement, c'est vraiment pas mal comme système. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà les mecs. On va pouvoir finir tout chat. C'est excellent comme ça bouge. Ouh. Allez. Je suis en train de remettre la jupe à la voiture. Ah ben non. Décidément. Je sais pas ce que je vais en faire. Je peut-être l'abattre. Je pense que il me reste plus que ça à faire. Tu crois? Ah. Ah voilà, elle est cachée dans l'ombre là-bas, elle me fait des conneries. C'est génial. Je n'en peux plus. Hop. Et hop. Donc voici, en plus ça, on a fini la carrosserie hier. Qu'est-ce que tu... C'est vrai, j'aime beaucoup. Pas parce que c'est madame qui l'a faite, hein, mais j'aime beaucoup. Ouais, je reconnais enfin, c'est pas moi qui l'ai fait les carrosseries, c'est elle. Je sais bien. Je sais, je sais. Et bon, chut, il faut pas trop le dire parce qu'après ça va s'ébruiter et c'est pas bien. Walou, on espère vous faire prochainement un petit test sur la piste. Et puis un petit retour de comment ça fonctionne.
Et puis voilà, on n'oublie pas tous nos partenaires, on leur passe un énorme bonjour. Et puis profitez bien, passez une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde! Ciao!